Les amis, je vous fais cette petite outro, on va dire, sur la vidéo, juste pour vous dire qu'il y a eu un problème de capture. Donc désolé si certains bouts de la vidéo paraissent incohérents, c'est-à-dire que je dis ben, on va attaquer la piste de ski, puis qu'on se retrouve sur les téléphériques. Il y a des bouts qui n'ont pas enregistré, donc voilà, ça m'a manqué des bouts. Donc j'ai essayé d'assembler la vidéo comme je peux, enfin comme j'ai pu, et éviter surtout de ne ben, de pas vous sortir de vidéo pour Noël. Donc voilà, je m'en excuse encore, c'est Fraps qui a fait un peu de... du caca, donc je m'en excuse, j'espère que vous apprécierez quand même la vidéo et je vous souhaite un très bon Noël. Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la ville SK, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va très bien. Je vous souhaite à tous un très bon Noël, je sais pas si la vidéo va sortir avant ou après, peut-être qu'elle sortira 5-6 jours avant, voire une semaine. En tout cas je vous souhaite un très bon Noël parce que ça va être la vidéo un petit peu qui va concerner Noël sur notre ville. Donc pour ceux qui ont suivi mon dernier live, la dernière fois on a fait un terraforming un peu spécial derrière avec des montagnes. Et je sais pas si certains ont fait gaffe mais j'ai fait une forme bien précise avec deux espèces de vallées de chaque côté. C'est tout simplement parce qu'on va faire une petite station de ski. Alors je dis bien une petite. Voilà, donc ici on aura notre pente, notre descente jusqu'en bas. Et de l'autre côté on aura tout simplement un télésiège. Voilà, pour remonter jusqu'en haut, enfin un télésiège, un téléphérique. Téléphérique, télésiège, enfin vous m'avez compris. Pour remonter jusqu'en haut de la station qui arrivera par là et pour pouvoir redescendre à nouveau notre petite petite piste de ski. Voilà, tout simplement. Donc les amis, ce que je voudrais commencer à faire, c'est placer avec vous les blocs. Donc on va mettre de la glace histoire de délimiter un peu mieux la la piste de ski. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est un petit terraforming. Ouais, il n'y a pas trop de différence entre les deux, c'est cool. Donc la piste, je vais la faire de cette couleur pour qu'on ait une neige un peu damée. Je sais pas si je mélange de la glace avec, ça va pas être si beau que ça en fait. On va peut-être plutôt utiliser de la glace blue, vu qu'elle est, elle a un aspect un peu différent, on la verra mieux là, à travers. Donc les amis, je vais aller un petit peu niveler tout ça, histoire que ce soit plus propre, et je reviens vers vous tout de suite. Ok, retour tout le monde. Bon, je suis en train de placer mes poteaux de téléphérique, donc je vais quand même vous reprendre pour vous montrer un peu ce que je fais. Donc bien évidemment, c'est du plus petit au plus grand pour qu'il y ait une pente continue. Du coup, on se met des murets sur les côtés. Donc ça, ça va être les endroits où vont passer les fils des téléphériques, enfin les fils, les cages, la nacelle. Il va peut-être falloir que je les fasse... Ouais, on va les faire un peu plus larges. On va les faire un peu plus larges parce que ça ne passera pas. Là-bas, ça touchera peut-être le sapin, mais on le coupera, c'est pas très grave. Ça gêne pas. On n'aura peut-être pas fini dans cette vidéo parce que c'est quand même assez long. Mais on va essayer de faire au mieux. On va essayer de faire au mieux. Il faudra que je mette aussi des échelles sur les piliers pour pouvoir monter pour la maintenance. Hop, voilà. Et on va faire pareil sur celui-ci. Celui-ci faisait 3 de base. Pourquoi j'ai pas mis les pics au bout? Voilà, comme ça c'est pas mal. Tout de suite ensemble. Ok, il me faut des piliers en fer. On va mettre la roue d'arrivée tout de suite. On pourrait limite remettre un pilier, il en a combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va remettre un pilier ici. On va remettre un pilier parce que ça va pas. Il n'y a pas assez de... On va juste le monter de peut-être que 1. On va mettre des extensions là comme on a fait en dessous. Tac, voilà. Et on va mettre notre roue par ici. Ouais, par ici ça sera bien. Tac. Roue qu'on va faire de la même façon que je l'ai faite en bas. Voilà, comme ça c'est parfait. Allez les amis, je tire tous les câbles et on se retrouve tout de suite. Ok, tout le monde, bon voilà ce que ça donne une fois terminé. Franchement c'est pas trop mal, j'aime bien le rendu. Ici donc il faudra prévoir une petite cahute hein, donc pour les deux endroits, pour l'arrivée des nacelles. On va devoir enlever un petit peu de neige ici, ce qui me paraît logique puisqu'il y en a trop. Donc on va faire un petit peu de terraforming, histoire que ce soit un petit peu plus joli et un peu plus réaliste surtout. Au niveau des petites cahutes là, que les gens prendront pour remonter, on mettra un petit escalier. En gros les cahutes là, elles seront ici, donc les nacelles vont arriver là. Les gens devront remonter 2-3 marches, enfin 2-3 blocs pour arriver en haut de la piste parce que j'ai tout simplement pas fait plus haut. J'aurais pu faire plus haut mais voilà, j'ai pas voulu que ce soit démesuré les piliers par rapport aux montagnes. Il faut bien y penser ça aussi aux proportions. Donc voilà, j'ai laissé comme ça. Je vais essayer de trouver un petit design de cahutes, enfin de téléphériques comme je les appelle.
Et puis voilà, on va mettre quelques lampes. Hop, voilà, nickel. Et on essaiera de modifier un petit peu les poteaux qui sont un peu plus jolis. Bon allez, cherche un design, on se retrouve tout de suite. Ok, re tout le monde, bon voilà, travail terminé, j'ai mis mes petites nacelles. Donc je vous montre un peu de loin ce que ça donne, c'est pas trop mal. Je vais mettre un peu les shaders, histoire qu'on s'amuse un peu. Ouais, ça rend pas mal avec les ombres. Bon, ce sont des nacelles qui ne sont pas montables. Enfin, on peut pas monter dedans, vous vous en doutez bien. Parce que, voilà. Sinon, ça fait faire quelque chose de beaucoup trop gros. Et si on veut garder un peu les rapports avec la forme et la taille, il faut quand même faire quelque chose d'assez compact. Ok, on va essayer de rajouter quelques détails à nos piliers. Juste des barrières, comme ça, que ce soit un peu moins carré. Hop. Il faudrait techniquement que je mette des échelles aussi à chaque pilier, mais je pense pas que je vais le faire. Enfin, je peux les mettre, hein, histoire que ce soit plus beau, mais je sais pas si ça changera grand chose et je sais pas si ça fera super joli. On peut essayer de mettre des échelles. Il y a un autre problème, c'est que si on met la map genre en mauvaise version, comme ce que je dis à chaque fois, bah toutes les échelles vont sauter. On peut essayer. Regardez comme c'est joli là, avec le soleil qui arrive sur les téléphériques. Regardez comme c'est beau. Enfin, je sais pas si vous allez voir grand chose du coup sur internet, mais c'est joli. Cet arbre, du coup, on peut le laisser. Tac, là on va virer ça. On va mettre nos échelles là. Voilà. Et le dernier, et on sera pas mal. J'avais peur surtout que ça rende pas super beau de ce côté là. Qu'est-ce que ça donne? Franchement, ça fait pas beau. Vous savez quoi, ça fait pas beau, je vais les enlever tout de suite. Ça, on va peut-être faire juste... ouais, on va le faire. On va faire un petit chemin ici. Histoire de pouvoir rejoindre les téléphériques. C'est quand même pratique. S'il y en a, c'est quand même bien de pouvoir y aller. Hop, et ici, il restera une couche. On va mettre quelques dalles. On va faire un petit chemin en dalles. Petite dalle comme ça. On va prendre des pellicules de neige. Et voilà, on va mettre quelques dalles. Alors ici, ouais, on va faire comme ça. On va faire un chemin de 3 de large, ce sera pas mal. Voilà. Voilà, au moins jusque là pour l'instant, histoire qu'on ait quelque chose pour relier un petit peu tout ça. On va se mettre quelques plaques de neige au sol, tout simplement pour mettre un peu de relief. Parce que quand vous marchez, c'est quand même un peu plus agréable d'avoir du relief si vous visitez la map que s'il n'y a aucun relief. Vous voyez, quand je marche là, on a un peu de relief et tout, c'est cool. Que s'il n'y avait rien, ça ferait un peu plus bizarre. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo de Noël vous aura plu. Voilà, nos téléphériques, la montagne, notre station de ski juste à côté. Un assez bel ensemble, je trouve. N'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire. Je vous laisse et je vous dis à bientôt.